Bien salut tout le monde, c'est Pharonium et aujourd'hui on se retrouve sur Digimon Battle Spirit. Alors pourquoi je rigole, bah parce que j'ai bugué pendant l'intro. Mais bon, ça arrive, faut dire que je bug quand même pas mal de fois, voilà. Et je parle pas français également, mais bon, ça ce n'est pas bien grave. Et en tout cas j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va très bien. Et en tout cas, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure et que je me répète, on se retrouve pour le dernier épisode sur ce jeu, et on va jouer un personnage que j'apprécie beaucoup, puisqu'il s'agit de Impmon, qui est bien sûr débloquable, hein. On voit que d'ailleurs le premier est Vemon, on a fait 379 avec lui, mais normalement si je joue très bien avec Impmon, hein, on devrait largement le dépasser. Donc hop là, ça s'est remis à 120, d'ailleurs je me demande si dans le dernier épisode j'ai également augmenté le temps. Moi je pense oui, hein, maintenant je fais ça par réflexe. Et donc voici le dernier Impmon. Donc pour faire un petit tour encore une fois vite fait des Digimon qui sont disponibles, nous avons Greenmon, Tajarmon, Ronamon, Vemon, Wormon, Agumon, Sukamon, Agumon Noir, Lopmon qui est cool, Gabumon qui est aussi très cool, Agumon qui n'a rien de spécial. Et là nous avons le plus puissant, je pense, hein, voilà le plus puissant tout simplement, qui s'appelle Impmon. Et sa deuxième couleur, j'aime beaucoup sa deuxième couleur, mais on va rester avec la première, hein. Voilà, on va jouer avec lui. Par contre, si vous m'avez suivi pardon pendant les les derniers épisodes, on peut remarquer que Impmon voilà, bon je vais mettre je suis un peu concentré là du coup, Impmon a une faculté, c'est de d'attirer, voilà, je vais quand même finir ma phrase. C'est d'attirer les spirites vers lui, ce que bien sûr nous ne possédons pas ici, hein, sinon ce serait un peu trop cheaté. Déjà qu'il est quand même assez cheaté, voilà, surtout cette attaque là. Alors je sais pas si on peut la faire en illimité, je crois pas, je crois qu'à un moment donné il... Voilà, vous voyez, comme là. Je crois qu'à un moment donné il se plante, aïe. Donc là bien sûr pas d'évolution pour Impmon, on va juste faire en sorte de... Hop là, voilà. Ok d'accord. De détruire le petit oiseau pour l'empêcher d'évoluer. Ah d'accord. Donc là il a un peu tendance à fuir quand même là le Digimon ennemi. Enfin Terramon. D'accord. T'es là comme ça devant moi sans pression. Bah écoute. Ah non, bon. Ok. Tout va bien. Ok, tout va très très bien. Bon, par contre, ça m'étonnerait que je fasse des résultats aussi grands qu'avec Vemon. C'est avec Vemon, je sais pas ce que j'ai avec ce perso, mais enfin, avec ce Digimon, mais je le maîtrise quand même assez bien, hein. On peut voir que j'atteignais les 70. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, hop, on va s'empresser d'aller là-bas. Bon. Voilà, hop, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de lui. Hop là. Et hop. Ah oui, je crois qu'on peut faire un combo. Voilà. Du coup, ouais, ça l'a vraiment chuté. Bon, par contre, le terrain, il est pas vraiment génial. Faut aller récupérer les spirits. Ah, vous voyez, quand on spam B, bah, il se passe un truc, il arrive plus à faire de boulettes.
Mais d'accord, quand j'appuie sur B, je veux très bien que t'appuies, enfin que tu lances ton attaque quand même. Bon, Nakaantis, c'est pas énorme. Mais ça va. On devrait avoir à peu près le même résultat. Et où? Y'a que moi qui fais des flammes ici. Ok. On va prendre ça. Et non, y'a que moi qui a l'ordre de faire prendre feu les gens. Ah d'accord. J'ai utilisé mon truc. Ah oui, on peut aussi l'utiliser en courant. Ah oui. Et oula. Hop, couché. Mais non, mais non, mais... Ah, hop. J'ai un peu de mal, hein. Oh, bah. Ouais. J'ai pas compris. Alors là, nos trois spirites sont partis je ne sais où. Et il est d'un seul coup plus intelligent qu'avant. Il a anticipé mes mouvements. Regardez, il a anticipé mes mouvements. Non! Je me taille. Allez, salut. On peut voir aussi... Bah, c'est peut-être qu'une impression, mais il a l'air de courir plus vite. Donc, voilà. Cette attaque-là est vraiment cheatée. Ça fait du 3 dégâts par 3 dégâts. Enfin, 3 par 3. Voilà. Surtout qu'on peut la bourrer, hein. On peut la bourrer. Et avoir un résultat complètement pété. Alors, je sais plus trop avec qui. Je crois que c'est avec Impmon, justement. Où je jouais beaucoup avec lui. J'ai réussi à dépasser les 100 spirits en une seule partie. Donc, autant dire que... Voilà. Hein. Et bien sûr, hein, j'ai bourré. Les... deux fois de suite, et ben ouais. Alors là, ce sera de ce côté-là, hop là, ouais, direct. Hop, 39. Hop, on chope. Ah, d'accord. Pourquoi pas, hein. Oh, pile poil. Ok. Bon bah, pourquoi pas, hein. Non, bon. Il a essayé de me contourner. Hop. On a essayé de le toucher. Hop là, on chope, on le balance. On fait prendre feu et... Ah non, dommage. Bon bah tant pis, hein. On aurait pu l'éjecter de l'écran, histoire de... Et voilà, nous avons 50 spirites de plus, ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Allez, mon petit Vimon, viens ici, hop là, couché, déjà. Ah, ça... voilà. Ça va être très difficile d'esquiver les... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pas fait... Ah d'ailleurs je me demande si les verts ce sont pas des Ah si c'est les merdes. Ah ceux qui peuvent se transformer en espèce de nounours, ça était juste. Je connais tellement pas les noms des Digimon. Voilà. Ah non. Ah non. Ah bah t'es où? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, normalement il est toujours sur nous, mais là ils ont commencé à prendre leur distance quand même. Ah bah c'est pile poil. Voilà. Ça me semble un bon endroit pour récupérer beaucoup de spirit. Voilà. Écoutez, on va essayer d'atteindre les 100. On va essayer d'atteindre les 100, ouais. Ah alors non, si je fais du mauvais côté. Alors, vais-je réussir à atteindre les 100?
risque d'être un peu compliqué, surtout s'il y a une merde qui me... Oups. Qui me fait chier. Bon, voilà, pendant qu'il est occupé. Hein. Ah non, on a pas réussi à le toucher, tiens. Oh, 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 là, regardez, il nous attaque d'en haut. Ouh, 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 il a réussi. Mais dommage, Impon a l'air de savoir faire des chops un peu plus facilement que les autres. Donc de 3 en 3, combien de temps ça mettrait, à votre avis, pour arriver à 100? Surtout qu'on va vite se diriger par là, parce que monsieur peut se disjolver, hein. Et là, je l'ai lancé dessus. Voilà, je l'ai lancé dessus. Oh, très bien. Bon, malheureusement, je pense que les 100 ne pourront pas être atteints ici. Ça risque d'être assez compliqué. Avec Sukamon, je pense que ça va être possible. Hein. Et dégage. Et non, t'as pas le droit. Et non, pas le droit. Oh, c'est pas juste. Non, dégage. Non. Mais... T'es méchant avec moi. Allez, hop, dégage. Je me demande si on peut faire un dégât avec ça. Ah non. Ou peut-être qu'il soit vraiment vraiment collé à nous. Et encore une. Ouais, on a atteint les 60. Voilà. C'est pas les 100. Mais c'est toujours ça. 61-13, cool. Bataille 4. Ah, la bataille contre notre acolyte. Enfin, notre ennemi, hein, voilà. Donc là, il est très 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 méchant, vous voyez. Voilà. Donc là, lui, il va avoir l'avantage d'avoir les spirites qui seront attirés vers lui. Tandis que nous, nous ne l'avons pas. Ce qui est quand même... un gros désavantage. Voilà. Bien sûr, la grosse attaque contre la petite, ce qui est tout à fait logique. Hein. Voilà. 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 Ah, ah, on a eu la même idée. Ah, ah. De toute façon, ça sert strictement à rien la dévolution, puisque on est deux à pas pouvoir dévoluer. Voilà pourquoi je dis que cette map est géniale contre Impmon. C'est voilà, les spirites on les récupère facilement en se mettant sur le côté, et en plus avec Impmon on le défonce quoi, tout simplement. Allez, hop. Et non, ça sert à rien, mon gros. Bon, ok, il s'empresse d'aller chercher le... Bon, et si seulement tu pourrais arrêter de vouloir enlever la dévolution, s'il te plaît. Voilà, regarde, hop, voilà, je le fais pour toi. Ah, oups. Bon, là, si tu veux, on va ici, hein. Voilà, on va changer de côté, histoire de changer un peu, quand même. Hop là. Hop là. Plein. Hop là. Ouh, il a l'air un peu plus motivé là d'un coup.
Mais non, pourquoi tu te mets à courir là? Ah dommage, on aurait pu atteindre les 100 si parce que là pour l'atteindre. Non, ça va pas être possible, on va pas avoir le temps. Dommage. On sera monté à 83, bon. Bon bah ça va. Là comme quoi on l'a vraiment ridiculisé, mais à un tel point. Voilà, hein, quand je dis qu'il est vraiment cheaté, c'est que on fait peut-être pas forcément un gros score comme je l'avais dit. Mais on est sûr de gagner avec lui. Parce que les ennemis ne nous touchent pas. Hop là, voilà, fais cette attaque là. Où est-ce que t'es, Gunmon, s'il te plaît? Hop là. Hop là, voilà. Hop là. C'est cheaté, hein. Ah, mais il a repris feu. Surtout qu'on peut enchaîner. Enfin, normalement. Oh, genre quoi. Et forcément, pour aider, faut que le... Ah, d'accord, super. Bon, ça va, il a pas l'air de vouloir récupérer les spirites, donc tout va bien. Il a juste envie de me taper dessus. Et... Ok, non, mais tu te calmes. Voilà, tout va bien. Voilà, on le chope. Hop. Et oh. Ah d'accord, t'es comme ça, toi, tu me passes derrière. Ah, cette fois. Et non. T'es fait avoir, hein. Allez, d'accord. Bon, par contre, si Impound, tu pourrais te tourner quand j'ai appuyé sur le bouton pour tourner. Ouh, on a réussi à se protéger là, tiens. C'était totalement au hasard. Et oh, du calme. Coucher. Coucher le chien. Oh putain, je vous jure. Allez, hop là, voilà, là on enchaîne. Ah, hop. Bon, encore une fois, la map n'est pas très pratique parce que les spirits se bloquent. Et... boum. Ok, bon, ça sert à rien, on va continuer à le frapper. J'ai totalement la flemme d'aller en haut pour récupérer les spirits. On va juste faire... Hop là. Voilà. Tu restes en dehors de l'écran, c'est moi qui ai gagné. Ah, 50 pour 10. C'est bien ça. Donc là, une dernière... bataille. Voilà. On va essayer une dernière fois d'arriver au 100, hein, tant qu'à faire. Vu que cette map nous... Putain de pingouin. Vu que cette map est assez simple. Sauf que, bien sûr, à la différence de Wormon, il y a des pingouins. Ce qui est très chiant. Hop là. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Un peu ça fait par eux, hop là, direct. Et non, oh mon pauvre caca. Voilà,
Ah, ça c'est très bien quoi. Très bien. Très bien fait. Ah, il y en a un qui arrive. Hop là. Oui, il a mis un peu de temps à réagir là, Hipmon, je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Il a réussi à détruire l'attaque. Bon, hop là, on est du bon côté normalement. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on va laisser tomber les 100 hein, pour les faire. Là, ça va être un peu chaud. Bien sûr, le pingouin. Qu'est-ce que serait cette map sans pingouin? Bon, bon, on aura fait 90. On y était presque. Presque, presque. Bon bah 90 à 6, excuse-moi Scamon, mais... mais comment dire... Voilà quoi. Ah non, donc oui, il reste Ronamon. Mince. Je t'avais oublié. Ok. Bon, par contre, ça va être un peu chiant si... Ouais, allez. Map de merde. Ah non, c'est bon. Ouais, couché. Voilà. Bon là, on va juste s'occuper de taper. On va pas essayer d'aller à 100. Je le tape juste dessus. Et... Ah, c'est de l'autre côté. Oh. Il a failli le récupérer. Ok, d'accord, mais calme-toi. Bon, et... Par contre, le boss, je me souviens bien, il est un peu plus compliqué. On croit. Que c'est assez chaud en fait, on a que l'attaque de feu pour le toucher. Je sais pas si cette attaque là en fait, le Hadouken, il fonctionne, enfin si ça le touche de là où on est. Ok, hop, ça on s'en occupe, rien de grave. C'est juste défonce. Ah d'accord, ok, quand je dis ça, je me fais poutrer. Enfin, je veux dire quoi, vous imaginez si on a le bonus de... d'avoir les spades qui viennent vers nous. Ce serait juste énorme. On a juste besoin d'attendre qu'il vient sur nous, de le frapper, et comme ça, on n'a plus qu'à attendre que les spirits viennent à nous. Voilà. Donc là, j'imagine pas les scores qu'on peut faire avec.
Ah, voilà. Bon, forcément, il a une petite fatigue, Lifemon. Il est très puissant, mais il a du mal à contrôler sa puissance, hein. On va dire ça, on va dire un truc comme ça. Ok. Voilà, très peu probable qu'il nous... Voilà, très peu probable qu'il nous vainque. On a dépassé les 42 scores, je crois que maintenant Hitmon se trouve à la première place du classement. Je crois que Vemon était à 397, je crois. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque fois que lui arrive sur le terrain, on le défonce. Mais il vient quand même nous ressusciter, parce que voilà. Et là, ça va être vraiment compliqué, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de digivolution. Donc voilà quoi, ça va être un poil compliqué. D'accord, bon, il commence directement là. Je sais plus du tout comment qu'on fait pour le vaincre. Mais ça se trouve, hein, ça va se terminer sur une défaite du boss. Parce que il a... Et on dirait qu'il a envie d'aller derrière. Oh là, par contre non, on va éviter de se faire toucher par ça. Ah non, tu ne m'es pas utile, petit. Merci de m'avoir aidé, mais non. Malheureusement, tu ne pourras pas m'aider. Voilà, donc on va le laisser tranquille. Hein. Ok. Allez. Alors je sais pas du tout si ça... On a déjà essayé, hein, mais si ça fait des dégâts ou pas. Ok, donc ça va, vous voyez, hop, suffit de bourriner, quoi. Bon, on le bourrine. Mais non, tu ne peux pas m'aider. Ah, non, trop. Ah, bon, on a réussi à se faire toucher. J'ai réussi à en récupérer une. Oula, par contre. Ah voilà, vu qu'il en a récupéré une, il tire plusieurs fois. Ou pas du tout, enfin j'en sais rien. Voilà, bon. Bon bah finalement ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Bah voilà en fait, un Hitmon est vraiment... un Digimon cheaté dans ce jeu. Donc voilà, et eh ben écoutez, moi comme à mon habitude, je vais vous laisser ici. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est la fin de Digimon Digital Monster Battle Spirit. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. À commenter également et à vous abonner. Hein. Tout ça aussi est gratuit. Voilà tout. Et ben je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.